Canada fait un bien pour nous. So, gen cours que nous pas comprendre à cause nous vin là, nous vin comprendre plus bien toujours. Qui sous qui matière travail? Nous travaillons algèbre, géométrie sociale, sciences expérimentales, créole, anglais, espagnol. Tout. Dans quel établissement? Lycée Jacques Dessalines. Vous estimez ça y a utile pour passer l'examen, pour composer avec plus de sérénité? Oui. Oui, je dis merci à tous les responsables du Canada parce que vous avez accepté nous avec deux bras à l'ouvrir. Je dis merci pour ça. Oh, mais apparemment, ce n'est pas élève Canada. Oui. Ça veut dire quoi? Moi vraiment content et moi vraiment content pour ça frère a fait pour nous hein. Moi remercie spécialement collège Canada parce que nous tenons besoin nous pas gain professeur mais jodi a là nous venons nous travail et après ça te gon repas spécial pour tout élève. C'est dans quel établissement scolaire? Lycée Jean-Jacques Dessalines. Okay. Maintenant qui matière nous yo travaille avec? Ah, je travaille sur toute matière, mais seulement aujourd'hui, nous n'avons pas de jeu en anglais. Est-ce que vous estimez ça qui fait ici en là? Et pour vous offrir, nous vous permettre de composer avec plus de sérieux? Oui. Le professeur travaille avec nous. Oui, il travaille avec nous, c'est même élève Canada. Élève que nous avons là, c'est élève qui n'est pas ici en Canada. C'est élève qui est aux environs. Nous avons un projet par rapport à Timoun qui a perdu un paquet de cours dans l'école publique. Et comme nous sommes conscients que Timoun a un droit à des cours, nous-mêmes, par rapport à la colère, nous avons un petit groupe qui est venu visiter nous. Mais qui n'était pas trop amical, qui était inamical, et qui était même voyé roche. Maintenant, nous sommes sortis, nous parlons avec eux dans la cour, nous disons, ici, à son école privée, qui n'a pas gagné pour louer à mode de fonctionnement qui a reproché l'école nationale. Oui, parents ont payé taxes pour professeurs dans la salle de classe. Et ça fait extrêmement mal lorsque mon courant, parce que moi-même professeur tout dans le secteur public depuis octobre 87, j'ai commencé dans le lycée national de 87 à 90, j'ai transféré au lycée Marie-Jeanne de 90 jusqu'à 2020, mon professeur de philosophie au lycée Marie-Jeanne. Mais moi-même, j'ai une grève de tout travail. Mais ça qui compte triste, j'ai une grève de travail là, ce sont des collègues professeurs qui compte faire violence pour pas travailler, pour respecter grève. Ou voulez travailler, collègue professeur qui reçoit chaque mois, a fait violence pour pas travailler, et pendant ce temps, même collègue ça prend le travail dans le secteur privé. Moi-même, ma travail au collège canadois haïtien de 1997, ça a 23 ans, mais dans le lycée actuellement, là, j'ai 33 ans. Des professeurs, des fois, qui pas qu'à en retard au collège, au collège Canada, ils sont absents dans le lycée. Parce que vivent les. On connaît, parce que moi-même, nous sommes directeur du lycée Fritz-Pierre-Louis. Nous sommes directeur du lycée Fritz-Pierre-Louis. Il y a des professeurs qui ne viennent pas travailler et puis qui exiger l'élève pour le faire pour des rattrapages, pour lui laisser samedi et dimanche pour l'élève la payer. Moi-même, j'étais tellement contre bagaille ça, qui fait que c'est 7 mois seulement de faire comme directeur lycée pour tirer lui. C'est 2 camions Simo qui viennent mettre dehors parce que les gens ont débarqué à Zambie, ils ont tué dans le lycée. Et ça a été reproché, mais ils ont dit qu'ils comprennent comme si ma vie fait lycée à tourner, ils ont collège canadois haïtien. Comme si c'est des élèves qui fréquentent collège canadois haïtien et c'est des bêtes ou bien des chiens. De laisser pour compte qui fréquentait le lycée. Et ça a été touché mon pile, parce que moi-même, naturellement, je fais tout d'études en privé. Ce n'est pas parce que je fais études en privé pour ne pas comprendre que je fais l'école normale, je vais payer 5 ans pour ça. Si je fais l'école normale pendant 4 ans, je vais payer 5 ans pour ça, et c'est normal pour me payer
pour m'alancer. Et là, on était envoyé dans le lycée national de balai. Même pas pour mes balais. Je me souviens, on était envoyé dans 87 000 balais. Je ne sais même pas qui station machine pour m'aller pour m'aller mes balais. C'est renseignement mal prend. Je dis, c'est dans le rempart mal prend machine. Et on dimanche, mal fait connaissance avec mes balais pour mal connaître côté de le travail là. Et je ne pas gagner pour me reprocher tête moins. Je vais envoyer mes balais. Je fais 3 ans dans le lycée national mes balais. Et je ne pas pour mes balais. C'est en 90 moi-même transféré vite dans le lycée. Marie-Jeanne est depuis l'homme dans le lycée Marie-Jeanne. Alors, situation élève, son situation qui est extrêmement écœurante qui est à vivre. Par rapport à l'ensemble de messieurs qui disent être vos professeurs, moi je considère comme étant des pirates de l'éducation, des usurpateurs, des flibustiers qui prennent espace en otage et qui empêchent le monde qui a une vocation d'entrer là-dedans. Parce que vous comprenez bien. Il y a un ensemble de données qui m'y rien. Parce que moi, je fais une maîtrise en santé de l'éducation. Il y a une recherche que je fais sur le système, dans le fonctionnement, il y a un paquet de choses là-dedans. Les ministres Agenor entrent là. Pour le secteur éducatif, le personnel administratif enseignant, il y a 23 000 et quelques, 500 et quelques qui ont émergé dans le système. Mais pour le dernier chèque que je là dans le mois août 2020, je recevrai 36 922 chèques. Donnez au nom de mémoire. C'est mois août 2020. Ça veut dire de l'aide M. Agenor là, tu as 23 500 et quelques chèques pour l'éducation, les écoles fondamentales, premier, deuxième, troisième cycle, secondaire également, et pour le personnel administratif pour les 10 départements. Jodi a la gagné 36 922 chèques. Ça veut dire gagné à peu près 13 000 et quelques qui ont planté. Jusqu'à présent, ils ont touché chaque mois et puis ils ont laissé une perception qu'ils n'ont pas jamais touché. Et ce sont des éternels grévistes qui ont fait grève chaque jour qui disent qu'ils n'ont pas touché. Et là, ils n'ont pas connu si monsieur joint chaque mois. Non seulement depuis octobre 1984, nous commençons le travail au collège de Côte-Plage, avec le directeur Marc-Anthony Alix, professeur d'anglais. De 1984 à 2020, dans l'État, ils ont toujours payé une heure de cours beaucoup plus cher que dans le privé. Moi, je travaille et dans le privé et dans l'État, c'est moi mieux placé pour dire ça. Et j'ai 23 ans ici et je travaille dans le privé depuis 36 ans. Ce qui signifie, et dans l'État, depuis 33 ans dans le privé depuis 36 ans. Ça veut dire, moi-même, je dis tout le monde qui passe dans le système. Mandant, je suis professeur, je suis censé au lycée, je suis directeur, ça veut dire que tout le fonctionnement lycéen. Mandant. Alors, qui ça, un professeur touché dans le secteur public, surtout lorsque on a fait cours dans le troisième cycle, ça nous est le 7e, 8e, 9e et secondaire. Gagner deux groupes de professeurs. Bon professeur qui est le professeur simple vacataire. Et il y a des professeurs qui travaillent à plein temps. Un professeur simple vacataire, c'est un professeur qui fait au plus. 6 heures de cours par semaine qui est égal à 24 heures de cours par mois. Monsieur touche chaque heure de cours 541 gouttes heure. Pas de aucun professeur qui travaille dans Port-au-Prince là qui baille 6 heures de cours par semaine. Gen qui baille 5, gen qui baille 4, gen pas supposé que baille 2 heures. Par semaine, même touché, même quantité de corps par monde qui va ici. Même les gens, ils n'ont pas jamais fait plus. Ce sont des éternels grévistes. Quand il y a l'école pour ouvrir, ils ont dit en novembre, il y a un grève. Et nous sommes au début du mois d'octobre. Année à pour fini, ils ont annoncé qu'ils ont grève. Ils ont fait toute vie en grève parce qu'ils ont profité d'une faiblesse dans les directeurs du lycée. Il y a une connivence qui gagne entre certains directeurs de lycée et des directeurs départementaux. Côté, ils n'ont pas voulu faire rapport. Et là, on fait rapport pour ces professeurs absentéistes. Professeurs absentéistes, là, au courant
même moment pour adresser l'aide à la direction départementale. Et c'est ça que fait, c'est eux-mêmes qui font de lance toute revendication violente qu'a faite dans les lycées, parce que eux-mêmes, ils connaissent, ils ne parlent pas pour travail, ils ne peuvent toucher chèque là chaque mois. Mais voilà la situation. L'école normale gagne à peu près 220 personnes qui diplômaient chaque année. Mais l'école normale, c'est la préparer pour nous dans la salle de classe. Si nous avons des délinquants qui sont dans le lycée, qui ont l'aide nomination dans le même travail, mais moi-même, si nous couloirs pour nous capables de faire nek qui vient de travailler, la vie de travail. Si le bas vient de travailler, il faut mettre le dehors pour mettre mon cal formé pour venir rentrer dans la salle de classe là. Mais on dirait que va bien. Oui. Il va qu'à superviser. Donc si l'inspecteur a l'école là, si on va être manqué. Oh, c'est pas manqué, il va exister. Et si pas gagner supervision pédagogique, pas gagner un académique. Toute faiblesse qu'on a gagné dans les écoles nationales et les lycées qui n'ont pas résolu la question là, c'est parce qu'il n'y a pas de supervision pédagogique. Et le jour qu'il y a une supervision pédagogique, il y a pour eux que le professeur n'a pas venu. Et le cahier de printage là, il y a un outil important, mais pour le faire sans qu'il n'y ait pas de connivence, compromission, mesdames, qu'il fait pour ne pas venir, il y a signé pour eux. Alors bien ça, oui, il n'y a pas venu aussi pour eux. Nous, un ensemble de professeurs qui ont touché chaque jour à l'étranger. Ils mettent les gens campés dans la classe pour eux. Et c'est les gens qui ont fait manifestation chaque jour qui ont dit qu'ils n'ont pas de domination. Pendant ce temps, le vrai professeur, il a touché comme chaque fois et puis à l'étranger. Mais qui est-ce qui peut aider à identifier les cas d'irrégularité criant ça? Ce sont les directeurs. Mais si le directeur va faire rapport, comment on fait qu'on ait quelqu'un qui est dans la salle? C'est pour négliger. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance. L'idée chez lui, des fois, il fait un aval. Les Paul Robert est là, il prend un chèque pour tout annel. Et puis, il campé là, il mettait là tant qu'on grimace, pas jamais recevoir 5 ans. Et l'aide ça vient, il l'élevait, puisqu'il n'y a pas besoin de mon monde. L'État n'a pas besoin de présence, mais lui, pour lui, la porte de l'État, il y a 5-6 ans. Mais non, premier coup de roche qui vaut, c'est lui devant, il dit dans la salle, il n'y a pas l'aide. Et l'État n'a pas mis dans la salle. Et tout goumé qui a goumé actuellement là, tout goumé l'actuel titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait pour ne pas accepter professeur en salle de classe sans lettre de nomination, en connivence avec certains directeurs, il y en a quand même qui là. Non, mais en connivence. Lorsque l'inspecteur a passé, il a fait Mounsa. Mounsa qui n'a pas lettre là, il a fait dire qu'il est âgé déjà. Il recevra chèque. Parce que l'inspecteur lui-même, il ne connaît pas si vous avez recevra chèque avec Sylvain Jouva. À côté, non, il mettait l'image dans le système. Non. Et puis, semaine prochaine, on a des énergies qui devant Cabo Roche. Il occupe espace-là. C'est un. Un faillisseur. L'enfaillé espace-là, sans aucune qualité, il n'a pas une autorité de nomination qui est placée là. Il prend l'espace là d'assaut et puis il a mis le couteau en bas de l'État pour dire okay. Et mettre cher, des fois, à l'étranger ou bien en Haïti, il a travaillé en ONG. L'école a perdu en importance. Et c'est dur, ça me dit là. Les parlementaires disent pour beaucoup mettre là. Est-ce que politique a joué trop sur les Français? Si n'est-ce pas fait politique avec les compétences, il va mettre dans ça, mettre là. C'est parce qu'il y a tellement de macaques, moi je suis des macaques, qui occupent des postes, qui n'ont pas même consacré les parlementaires. Ils mettent la tête là, et puis là, ils font des choses qui n'ont aucun rapport à bon sens. Là, ils mettent des analphabètes dans le job, et puis qui n'ont aucune compétence pour faire quoi que ce soit. Et puis là, ils mettent le couteau en bas du directeur départemental. Il y a des directeurs départementaux qui plus craignent sénateurs. Département là, qui plus qu'un député zone là, qui est ministre là, qui est premier ministre là, oui. Parce qu'on connaît ce qu'on a convoqué. Et c'est pour ça que ça l'a convoqué. Depuis qu'on passe dans le ministère, on demande un service, on parle de nous, ministre parle de nous, on convoqué. On convoqué, on convoqué. Alors, les nègres là, convoqué. Eh bien, dossier vient de joindre, nomination à fait. C'est qu'on s'en joue un paquet de payaya. Qui n'a pas rien pour voir avec l'éducation, qui envahit un système et qui mettait nous dans son ennemi là. Et chaque leur dit,
pour faire évaluation des moun gandan, roche voye, barricade, du feu, tirer tout pour intimider moun. Et mais maintenant ça n'est là. Et ben là nous garder nous élèves ça té dehors à Port Diable. Qui manipulé par des hommes qui pas consacrer les politiques. Des sanguinaires qui m'relé yo. Qui est seule façon pour qu'on on peuple en otage. C'est fermer l'école. Yo servi avec innocence à yo. Yo mettez au devant à demander professeur dans salle de classe et son ensemble de voyous qui touchent chaque mois qui pas jamais mettre pied et puis qui utilisent ti moun sa yo pour dire qu'on s'apprend là yo puis à demander bon ça on nous comprend. Yo professeur mandé puis yo paye 75 000 goud. Bon le directeur général il pas touché 75 000 goud. Bon elle petite tête lui. Li mandé pour yo ballon 4 débit de 30 000 goud. Alors que yon inspecteur divisionnaire dans la police touche 42 000 goud. Bouy. Ça veut dire, gen de ba yon a demandé, mais lui-même pas comprendre ça. C'est pas un projet qui se sur une goud fille à travail. Li pave le travail, li fait toute ville la touche sans jamais faire faire. Même RLD gen pou le ba yon dans le lycée, al ba yon dans le collège. Li considéré le lycée comme un chef affaires sociales CAS. Fait le cadeau pour ne pas jamais travailler pour lui. Moi, c'est comme ça que je considère. Okay. Parce que vous ne voulez pas travailler. Oui. Et vous n'avez aucun exemple qui j'aime tracer depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas révoqué, vous n'avez pas paquet pour remplacer par monde qui est disponible, qui est préparé, qui est formé à l'école normale pour ça et qui n'a pas d'espace financier. Nous avons écrit seulement trois lycées. Lycée Jean-Jacques. Lycée Fritz Pierre, lui, deux groupes, A, M et M, avec lycée Firmin. Vous connaissez des gens qui sont ici, Cité Soleil, ça ne nous pas invité. Nous avons des gens qui sont de Pétionville, ça ne nous pas invité. Et nous avons un paquet d'élèves qui élèvent collège aux environs qui viennent. Des qui viennent en uniforme, des gens qui sont sous la lue à tout uniforme. Nous avons des gens qui sont dans l'école et qui sont censés sous champ de masse la coller avec l'ambassade de France qui nous pas bien cité. Donc, nous sommes tout partout. Premier jour, nous avons 658 timoun. Nous commençons dès 8h, nous avons récréation à 11h, moins la récréation finit à 11h10, et puis nous travaillons jusqu'à 1h. Et puis à 1h, nous avons un plat chaud, nous avons de l'eau, nous recevons l'eau. Et puis, deuxième jour, nous venons 760. Nous accueillons. Et bien, mercredi, nous avons augmenté dans nous 888. Hier, nous clôturons avec 1024 élèves. Jodi à là, nous avons 1075 élèves qui ont répondu à l'appel et nous avons arrêté pour préparer manger pour à peu près 1200. Oui, nous avons fini jodi à et nous avons clôturé là avec une activité de solidarité, de grande fraternité. Là, nous avons mangé, nous avons fait un match de basket entre Yon Hall, Canada avec Hall, lycéen. Maintenant, quand lycée, on a pété deux élèves Canada, dans le camp Canada, on a pété deux élèves et puis pour faire un basket là, on va de solidarité, on va de gala pour finir, de fraternité. Nous gagnons 95% de professeurs, c'est Canada. Mais nous gagnons lycée Jean-Jacques qui était voué pour nous un professeur. Nous gagnons étoile des chiffres qui dans la zone qui était voué pour nous deux professeurs. Et puis nous gagnons l'autre professeur qui est censé, qui pas répondre nous positivement, il n'y a pas nous dans Canada. Et puis, il y aura nous déraper lundi et puis il y aura nous. Ça veut dire que chaque jour, les derniers cours finis, nous toujours gagnons trois professeurs en attente de jeunes qui ne vont pas travailler. Donc, nous pas jamais manquer de professeurs, nous toujours gagnons au moins trois professeurs qui en attente. Pour 9e, nous faisons toute matière que nous allons proposer. Ça veut dire que dans tout ça, nous allons proposer, nous obligés de faire tout. Parce que qui ça nous fait? Nous avons 25 périodes. Et on n'a pas perdu, on n'a pas perdu. Nous sommes obligés de faire condenser et nous faire copier pour tout. Nous avons l'essentiel de programme minima. Et puis le professeur travaille sous lui. Et puis tout avons copié tout, il y a la caillou. Il y a le travail la caillou, parce que ce n'est pas grave, plein tableau, voyez, etc. Petit temps. Nous avons copié et puis nous avons l'essentiel. C'est ça que nous faisons pour S4. Si nous avons une série SES, si nous avons une série LLA, si la mathématiques, physique, si la SVT, nous mettons dans la salle et puis nous avons les salles besoin pour la composition. Là, nous avons lancé ce là, même depuis qu'on a marché. Et parce qu'elle marche aujourd'hui,
susciter nous l'inciter nous stimuler nous pour nous réfléchir l'autre bagaille l'autre accompagnement pour nous à l'école qui dans zone parce que nous connons nos activités nous connons inviter mais peut-être que nous pas comprendre ni trop bien une semaine d'activités culturelles que nous connons les semaines en lac ouais, toute une semaine d'activités culturelles même quoi. Si monsieur politique a une chance pour l'exercice 2020-2021, il y a l'autre activité nous pas prévoir pour nous faire pour inviter non seulement pour les dans zone mais l'autre lycée qui proche nous là. Et gain lycée nous pas envisager, nous pas inviter. Daniel Fiolé là, il vient joindre nous en grande pompe là. Nous pas inviter Daniel Fiolé. Nous pas inviter. Il vient joindre nous en grande pompe. Et matin c'est on là qui a fait discours de remerciement. Cap dit qu'on ça yo regrette que nous pas mérité accueil que nous ben nous parce que nous connaît nous fait faute. Nous quand nous fait faute nous vienne présenter excuses. Mais nous pas dit que petit monde qui te fait faute. On comprend ça là. Daniel Fiolé là avec nous cité soleil là avec nous là. Nous gon l'école privée. Puis papa Jérémy qui vient joindre nous là, yo vient à tout uniforme yo. Mais on cherche son belle bagaille. Petit on veut lycée petit on vient nous pas inviter yo là. Il y a 95 qui est venu avant hier. Nous pas invité yo. Yo vient à tout uniforme yo 95 qui est venu. Alors hier, je ne sais pas qu'on est convicté là, il est tourné et je dis à l'homme.